Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Dossier assassinat Jovenel Moïse là. Côté nous constater que il y a un pile diversion qui a fait là-dedans. Côté nous que Ariel Henry essaie d'utiliser des stratégies pour lui permettre et d'avoir la désignation d'un juge qui pourra le faire une mission pour lui. Un autre point de l'aborder tout, c'est il t'a dit la situation labyrinthique ou précaire dans laquelle se trouve M. Ariel Henry. Et un autre point qu'on a bien pour aborder dans le cadre de cette conférence, c'est l'avancement du procès Petro-Caribé, qui c'est pratiquement un procès qui a en pile tête chargée, l'enfant, en pile monde qui volait, qui dépatcha l'agent Petro-Caribé, comme les Matéli et Laurent Salvador Lamotte, Jude RVD et autres. Maintenant, pour rester cohérent, on commence par le commencement. Ça qui a passé là dans le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse. Forme d'où bien que nous tous connaissons que tout récemment là, il y a un juge qui était tout bonnement déporté de la connaissance de ce dossier, qui c'est Gary Aurélien. Et par la suite, il y a un autre juge qui c'est Chaval Etienne, qui était désigné tout pour te mener instruction dossier. Et que subitement, monsieur lui-même tout, lui décider pour l'écarter du dossier. Et je pense que c'est nécessaire pour nous dire très bien, pour nous féliciter, par le fait que Chaval Etienne, c'est un juge, même j'en ai un paquet, l'autre juge tout, dont les mandats ont été illégalement renouvelés par Ariel Henry, qui a impliqué dans un paquet de bagages sales, Ariel Henry. Pas oublier, dans toutes les conventions, accords, traités que nous avons signés, ratifiés, dans la constitution en vigueur en Haïti actuellement, et même en vertu de l'article 44 du Code d'instruction criminelle, il est précisé que seul le président de la République peut s'attribuer le droit de procéder au renouvellement des mandats des juges instructeurs. Et que si un juge instructeur mandat révèle enfin, un directeur général, un premier ministre, un ministre, pas qu'à permettre pour renouveler mandat. Et que nous, ouais, Ariel Henry saute notre jour là, renouveler mandat un paquet de juges, dont Chaval Etienne. Femme d'où bien, pour nous-mêmes, l'acceptation du dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse par le de ces juges-là, ça parenterait à un deal. Ça ne me le dit pas là. Si yon l'an juge ça, que Ariel Henry saute renouveler mandat illégalement, accepter dossier ça, ou à comprendre tout bonnement, c'est un juge qui prend le gain pour mission pour son travail, non seulement pour Ariel Henry, mais aussi pour parrainer que le ses représentants. Depuis quand nous parlons de parrain d'Ariel Henry dans ce contexte, tout le monde voit clairement de qui nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de M. Michel Joseph Matéli, qui impliquait tout l'assassinat Jovenel Moïse. Donc par là, nous dit, nous avons proposé à tout juge quelconque que Ariel Henry soit renouvelé mandat, qui a accepté le dossier ça, pour y aller mener instruction là-dedans, pour y aller faire un travail pour eux. Ariel Henry, la situation précaire, labyrinthique dans laquelle il se trouve. Il n'est pas secret pour pièce monde que Ariel Henry sont monde qui qu'on habitué à impliquer dans un paquet de bagages sales dans le pays. Un, d'ailleurs nous l'avons déjà dit au cours de la semaine, au cours du mois passé. Ariel Henry en 2003, son type était arrêté parce qu'il était en possession d'un paquet d'armes illégales qui était distribué par des délinquants dans le pays pour faire des ordres. Criminels liés. Deux, Ariel Henry, sans Matéli, il était ministre de l'Intérieur. Je pense que tout le monde qui a compris ça avait dit au ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire c'est un monde secret, c'est un monde de confidence pour Matéli. Et c'est ça qui fait tout. Ouais, je ne dis pas là, c'est lui, Matéli, voyait devant, qui pouvait faire un travail, une préparation pour l'équipe PHTK, pour ouais, comment il permettre l'équipe PHTK, qui est une équipe criminelle, de continuer à garder le pouvoir.
Mais comprenez également, sans nul doute, vous avez déjà lu le rapport produit par le Réseau national de défense des droits humains. Côté le rapport, ça, cette structure a confirmé clairement que sur l'instruction de M. Ariel Henry, l'AGD, l'Administration générale des douanes, pimpé par M. Michel-Joseph Matéli, 3 millions, nous avons donné la référence, oui, 3 millions de dollars américains. C'est-à-dire, pendant que dans l'hôpital général, pas gagné toile gaz, pendant que la police pas qu'à fonctionner à cause de mes moyens, et souvlez-moi convaincu davantage, allez là, l'avenue Christophe, ancien, devant ancien local, coup des comptes là, gagnons backup police qui là, chaque après-midi, dès qu'on fait 4 ou 5 heures, à l'gado après, pour machine, pour backup police, qu'à déplacer, c'est pousser que monsieur policier obligé pousser. Mais là, qui paye, que Ariel Henry ordonné pour Obama Matéli seulement 3 millions de dollars américains chaque mois. Ariel Henry, tout pas oublié, ce n'est pas nos deal, c'est pas nos deal. Tout le monde tendait New York Times, CNN, et Miami Herald, tout le monde tendait. Tout, ils ont confirmé effectivement que Ariel Henry, avant l'assassinat de Jovenel Moïse, après l'assassinat de Jovenel Moïse, Ariel Henry était en contact avec cerveau, avec Moun qui assassinait Jovenel Moïse. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que Ariel Henry n'est pas un monde qui est digne pour le rester côté lié à là. Ariel Henry, c'est un monde qui est méprisable. Ariel Henry, c'est un monde qui a contribué davantage à l'effondrement de la cité. Et vient jouer pour diable. Il y a un facteur davantage qui pourrait contribuer à délégitimer monsieur davantage, qui pourrait faire que monsieur, c'est un nègre qui est dépourvu de toute légitimité, de toute notoriété, c'est par le fait que tweet ça, qui te fait monsieur courir, rentrer dans le primature là, c'est pas des secteurs nationaux qui te bâillent monsieur tweet là. C'est monsieur Kongroupio qui sont bien loin, qui font tweet sorti, qui dit monsieur rentrer dans le primature là. Nous pensons face à tout problème ça, yo. Ariel Henry, obligé, chou la colle pour Pita Papitris. Et heureusement, monsieur était là le 6-7 juillet 2021. Il a compris les conséquences qu'il a gagné, qu'il arrive au monde. Les gens n'ont pas une petite crasse notoriété, les gens n'ont pas une petite crasse légitimité. Positionnons ce que tu payes globalement, qui est une situation terrible, et qui demande que tout Haïtien qui est un homme, Haïtien qui va dans complot, peuple là, mettez tête ensemble, nous voyons une solution qui fait que le pays soit déconnecté là. Et pour nous opiner sur l'incident politique qui passait hier et dans la résidence du ministre premier ministre de facto, et côté gagné, les conversations qui nous ont fait, et puis il a fait jouer dilatoire pour nous arriver là, etc. Et demander toute population, tout haïtien qui bouquait avec kidnapping, la vie chère, qui pourrait avec ingérence, qui rêvait au pays, côté qui a vu tant que le monde, côté haïtien pour nous tester pays en main, pour nous lever campé, pour nous arriver, permettre que nous sortions côté là. Parce que ça, pour nous connaître, c'est que ni Blanc, ni Ariel, avec Allié, pas d'intérêt du tout que le pays a sorti côté là. C'est Jean Payen là, il est bon pour eux. Il est bon pour eux parce que Jean Payen là, il est en situation pour faire tout le chaos, il a des contrôles. Politique pays totalement, pour l'économique, et pour écouter la richesse qui est là, il y a une manière pour garder ce qu'a fait de tout pour quitter le pays, pour prendre contrôle pays totalement. Donc il n'y a pas intérêt du tout, il y a une solution qui sort. Si vous voulez ça, je vous dis, nous voyons que il y a des manœuvres qui ont été faites justement pour payer par sortir du côté de là, puis côté faire beurre sur tout le peuple là, pour le peuple à bourrer le kidnapping, à bourrer le grand goût, etc. C'est ça, nous-mêmes. Nous dénoncer toute tentative de qu'a fait pour qu'il y ait une situation qui est là et nous demander que
toute équipe Montana mette jam garçon petit garçon femme sur yo pour que yo mette dadi ni blanc ni Ariel dans condition pour que nous jeune passage pour pays parce que je dis hein même doit pour ce qu'il est nous perdit nous pas avec là donc ça passer à tout nous pensons que son tactique dilatoire justement pour permettre que pays continue avec des jeunes là et nous avons dénoncé tout attitude terre à terre avec le grand de Michel qui a parlé de pain de café. Et maintenant, qui nos situations, côté où la doué prend hauteur pour nous pour comprendre sa capacité et agir pour prendre des solutions, nous essayons de dire à toi, c'est jouer terre à terre à fait. Je sais que nous-mêmes, nous des populations, rêver campé et nous avons gagné pour annoncer qui ça qui a préparé en termes de mobilisation pour nous faire que à Montana arriver dans le consensus qui doit arriver pour mettre que le pays en sorti. Donc, nous gagnons d'Adi, camarades. Et nous, coordonnateurs, avec Kamaradou qui parle, bah, reste parole dans la conférence pour nous bah, positionner sous. Après l'incident qui arrive dans l'après-midi 14 février, qui t'a plus semblé accumulement ou sinon une incompréhension dans la logistique, rencontre qui te prévoit hier, entre représentants du bureau suivi à 30 d'août, là, à gouvernement de facto Ariel Henry a dirigé. Ensemble avec Alié Lio, plateforme organisation société civile qui engage dans le processus de chercher solution haïtienne en grand monde pour sortir dans le chaos et dans la catastrophe corps groupe et collaborer local yo la guerre pays nous aujourd'hui réaffirmer confiance li dans démarche négociation mobilisation pour joindre consensus nécessaire entre haïtiens et haïtiennes comme celle chimée pour y venir. Difficulté sans pareil, cap coubido à côté la vie citoyenne, citoyenne, pays à chaque jour qui joue. Ça, pas tap étonné, comportement premier ministre de facto, ak Alielio, ta va inscrit dans le cadre tactique pour ralentir processus négociation. Nous connaît tout gouvernement anti-peuple, anti-nation, sans pouvoir réel, qui pa gen argument valable pour négocier sérieusement. À chercher consensus soit ni pays conservé à tactique ça nous vivons déjà quoi ça yo déjà à deux premières versions pour voir corrompu gouvernement PHTK yo faut nous dit nous pas attendre nous à plus bon comportement non plus bon côté allié gouvernement yo ni bon côté si là qui trahit l'élite classe populaire qui campe en porte-parole pour voir ni si la yo kap roule de bord pour faire fusion ak pouvoir sans légitimité ya, ni si la yo ki trahi nan show an, nan servi tremplin ak pouvoir l'argent yo pour faciliter zot kampe en quoi contre progrès ak dignité nan show an. Pendant n'ap souhaite yo resezi yo, n'ap rappele dynamisme ki nan mit en force vive yo jounen jodi ya, ki représente volonté, secteur politique ak social majorité yo, pour avancer dans la direction tabli du gouvernement transition en grand monde pour sortir pays en bâti tel l'étranger et adresser problème majeur qui fait plus fort citoyen et citoyenne pas qu'à vivre pendant un petit point ancien collabo et nouveau grand orient politique et économique à profiter bambilé plateforme société civile là après dit encore c'est dans solidarité youn ak lot n'a reprendre direction pays nous. Toute cause qui mette en quoi contre débat ça a entré dans la boîte fatra l'histoire. En attendant, la justice fait travail pour ou bien lever soupçon grave qui pesait sous Premier ministre Ariel Henry ou bien pour condamner pour complicité, n'a exigé gouvernement de facto à travers conseil ministériel suspendre à toute action qui visait répression sous citoyens qui a réclamé droit en particulier ouvriers ouvrières yo et puis suspendre gaspiller ressources l'état n'en fait lobby à l'étranger à financer violence à la pérèse plateforme non dénoncer encore manœuvre politique cap tenté faire pour réaliser référendum à élection qui pas possible dans conditions misérables sans éthique PHTK allié lio mettez pays à et que premier ministre de facto a après poursuivre. Plateforme non profiter annoncer la continuer planifier
planification, mobilisation et manifestation pour rejeter pouvoir de facto en place là, acte politique anti-moun, anti-patriotique l'IA. Juste à commencer, plateforme a encouragé organisation sociale et politique dans tout département yo, et dans la diaspora, qui est une mobilisation ferme pour décider une administration chaotique qui a plongé le pays noir dans Kachou Boumbe. Oui, pour négociation, dans l'aspect moral, public et éthique. Oui, pour transition coupé fâché. Oui, pour récamper escape figure haïtien. Abadilatoire, avec arrogance, avec piqué devant. Pour plateforme, la société civile, la société 30 d'août, la société qui suit. Vous avez mangé 4 bien formés. Vous avez bien citoyens valables dans la société. Personne n'a pas épargné. C'est comme si depuis qu'on a envie de détruire, même côté à l'eau, il y a un dossier. Le système s'est venu parce qu'il y a un bon nègre qui dit que c'est des ouvriers d'État. Ça veut dire que l'État tourne une entreprise pour eux. Vu qu'il est ça fini dans le pays. Les Parisiens, nous avons un système qui est basé sur plus de tripotage et de marchandage politique que la vérité. Et ça qui est grave là, même international l'a impliqué, bien fond là-dedans. Atterri CG qui c'est association tête réfléchie de Cogne Rembla veut rappeler nationaux, qui est pays qui peut civiliser depuis longtemps pratiquer une seule formule qui s'est divisée pour le mieux. Même Jean, avec Chabouac haïtien, capable contre petit peuple là. Des fois, habitude ça eux même tourné contre petit peuple là encore. Nous-mêmes, dans Atterri CG association tête réfléchie de Cogne Rembla, nous venons là pour faire un appel à la conscience citoyenne. Pour peuple là prend même dans sa carte dit. Dans ce qu'a fait avant d'y agir. On réfléchit. Tant que le président Jovenel nous assiste comme on est gauche, nous fait mensonge depuis qu'un tel avait été assassiné physiquement. Après ça, Tiplot, tout le premier ministre a été obligé de courir la guerre, pressé, parce que force fait nous avons été attribué cerveau assassinat du président ensemble avec elle. Ministre, qui c'est lui-même qui était le dernier choix président, même laboratoire, ça dit PM Ariel Henry, c'est lui-même qui s'est votre emploi. Des ministres qui, si tellement progrès sur le tribunal, pardon, ils ont même tombé malade. C'est encore même industrie qui nous songe ça qui travaille. Qui compte pour nous mettre confiance, nous ne pouvons pas ici. Après, nous sommes demandé mobilisation tout le monde dans l'établissement, toute institution de l'État, et aussi tout ça qui vient au tel que la police, la justice, KEP, chambre de commerce, agriculture, etc. Que nous félicitons le gouvernement, petit courrier, qui a mis l'ordre dans des ordres. Tant que la police là qui commence à toucher sérieusement le dossier sécurité, là. Ça veut dire des actions qui ont posé tout bon vrai pour faire pour faciliter bon genre élection dans le pays. Là. Après, il s'agit de l'association tête réfléchie de Cogne Rembla, fin connaît. Revendication nous n'avons pas de satisfaction. La bienvenue, c'est non seulement dans l'établissement, toute institution, tant que Sénat, chambre député, magistrat, casette, délégué ville, président et la tribune. Même à côté là, à TRICG a dit nous pas dans faux blanc. CNN, tout est acte haïtien, venu au consensus pour que le marché. À TRICG a dit vive élection, vive démocratie, vive peuple haïtien. Alors, vous-même, à TRICG, oui. Nous besoin pour que le gouvernement fasse élection, parce que chaque transition que nous prenons, il n'y a pas jamais porté rien pour nous. Chaque transition que nous prenons, c'est toujours battre nous faire. Nous pensons à changer PM Ariel Henry, mettre en transition, ça veut dire que ça va prendre 3 ou 4 ans encore pour le pays à répartir encore. C'est plus grand goût, plus chômage, c'est plus la misère qu'a créé dans le pays. Plus que celui qui est en place, c'est lui qui a apparu l'État dans le même. Qu'elle mette consommental, j'en ai dit dernièrement, pour être capable de faire toute institution au marché, parce que l'institution est déjà là déjà. Il y a la police, il y a le commissaire gouvernement, il y a le ministre de la justice, et lui-même tout là comme premier ministre. Ça veut dire qu'il faut arranger tout appareil l'État, mettre le conseil électoral à la campagne et puis pour l'élection capable de faire pour mettre le président élu pour attaquer tout dossier qui est attaqué dans le pays. Nous pensons l'élection, c'est question. Nous pensons que confiance, c'est ça qui baille. Et c'est ça qui baille côté pour que tout le monde soit capable de jouer entente pour qu'il y ait dans l'élection. Mais c'est ça pour nous demander, il faut que l'acteur vienne au consensus entre eux. Si pas de consensus qui joue entre eux, ça veut dire même si tu as retiré la vie, nous avec l'autre, même confiance sera bien qu'à toujours pas inspiré. Parce que nous, dans le pays, côté que pas de personne qui fait mon confiance, il faut apprendre à faire mon confiance et puis les finir pour nous lever pour le problème qu'on est capable de résoudre. Si nous ne pouvons pas discuter avant, pendant ce temps, je ne choisis pas avant pour nous connaître qui sont gagnés comme problème, qui sont nous-mêmes gagnés comme problème pour nous mettre des hydrates sous table là et puis nous-mêmes pour nous faire notre choix. Ça veut dire que tout ça qu'a fait,
faut que nous chita parler. C'est ça que nous même dans atterri, nous demandons chita parler ensemble avec acteurs pour nous un consensus pour voir si l'élection capable faite dans le pays après c'est pressé. Donc là, du côté de la campagne, est-ce que vous avez volonté ça? Bon, nous avons des volontés, il faut qu'ils commencent à faire parce que nous avons la police a pris une opération, des fois représentés à la radio, mais qui opération qui fait, d'ailleurs, nous avons un pile menti. Ça, c'est un processus qui commence. Ça veut dire qu'il montre qu'il y a un travail qui a fait pour que au moins il y ait confiance qui est établie pour l'élection faite. Sous un message pour tout acteur mettez ensemble, message Message pour tout acteur. Ma répété parole de mon président américain Theodore Roosevelt qui dit l'ingrédient le plus important de la réussite c'est la capacité de bien s'entendre avec les autres. Si pour nous capables d'aller dans l'élection, il faut qu'on entende qui joue ensemble avec acteur. Parce que si pas grand entende qui joue ensemble avec acteur, quelque chose vous nous mettez là, pas grand rien qu'à bail que résultat c'est zéro barré. Ça veut dire qu'il faut que chita parle entre tout acteur pour être capable de venir au consensus pour que l'élection soit faite le plus vite que possible. Nous croyons dans l'élection nous-mêmes. Nous croyons dans l'élection. Parce que nous pas dans la transition, pas important rien. Et précision, c'est que l'encontre là, c'était avec la Fédération des barreaux. Côté président, l'État, moi-même, secrétaire général adjoint, et puis il y a deux vice-présidents qui ont participé dans la réunion. Ça. Donc, réunion, ça, c'était sous base d'une lettre d'invitation qui était depuis le mois de janvier, début, et que nous avons participé. Mais rencontre, là, je vais préciser tout, c'était bon, en présentiel, c'était une rencontre virtuelle. Ça veut dire que c'est via Zoom que nous avons fait la visioconférence. Et je vais dire tout, dans la réunion, ça, normalement, dans la lettre qui était venue, jeune nous, menu, hein, c'était y a trois points là-dedans, effectivement. Il y a un conseil de contrôle. Tu as gagné conseil électoral et puis tu as gagné assemblée constituante. Mais en réalité, pour nous-mêmes, dans la Fédération des barreaux, le point qui nous concernait directement, suivant le Premier ministre, c'était l'assemblée constituante. Et nous avons discuté sur le point ça amplement. Il demandait nous pour nous nommer trois mondes. Il a même cité les différents secteurs qui t'a supposé voir le monde. Pour t'as écrit une autre constitution totalement. Et qui a un rapport avec pour prendre toute préoccupation sociale, politique, économique, tout pays, hein, toute situation qui a concerné pour nous faire un produit, une œuvre qui de grande valeur, qui a gagné, j'en dédie là, embrasser toute cause nationale. Bon, nous-mêmes nous dédions comme secrétaire de Fédération des barreaux et président. Particulièrement, le temps qui exposé toute préoccupation de la Fédération des barreaux comme institution dans le pays par rapport à toute situation que nous connaissons aujourd'hui au niveau insécurité. Nous ne disons pas un problème, la décision ne revient pas à nous pour nous dire que nous avons participé. Toutefois, c'est un bail qui est important pour le pays et que nous pourrons consulter l'Assemblée des bâtonniers. Et l'Assemblée des bâtonniers, c'est 18 bâtonniers, ça veut dire 18 juridictions, ils sont toutes concernées et toute décision doit sortir sous forme de résolution. Et pour nous faire, il faut que nous fassions l'Assemblée, et pour l'Assemblée, il faut que nous réunions, et ce soit en présentiel ou virtuel. Présentiel est possible, puisque les barreaux du sud, Pape Cavini, il va traverser le bâtiment sans insécurité. Donc, bah, au du nord, il y a un problème pas, parce que particulièrement pour traverser 400 marozoyo, problème insécurité toujours. Donc, quel que soit geste pour vivre là, insécurité. Donc, pas qu'à gagner déplacement. Donc, on dit virtuel. On a fait une réunion virtuelle avec bâtonnier, mais jusqu'à présent, avec question internet, question où on est, et question signal internet, bah, problème, surtout dans la ville province. D'ailleurs, nous portons presque nous tout tête chargée, voire province. Donc c'est ça qui arrive là qui fait nous beaucoup joindre une solution ou une réponse à demande là. Mais nous travaillons sur lui actuellement là parce que d'ici week-end ça, nous avons supposé gagner une facilité pour nous organiser une réunion ça et puis pour une décision qui sorti et puis pour nous gabailler pour le ministre en réponse sur éventuelle participation nous dans l'Assemblée constituante là. Côté normalement Fédération des barreaux a gagné pour nommer trois mondes dont une femme selon le vœu du Premier ministre. Alors vous ne pas prêter, mais est-ce qu'on peut pas tout vous connaissez que ce pays a déjà rempli avec insécurité, mais est-ce qu'on peut pas tout pour élection faite par des armes?
tout le monde constate, pour qu'il n'y ait pas une condition pour l'élection. Quel que soit Jean Virel là, quel que soit dans le livre Talia, soit étudié, on n'a pas même besoin d'un gros livre tout. On s'en pourrait gars Matissan, on s'en pourrait gars quoi des bouquets, on s'en pourrait gars sur route pour aller pour de paix. Donc, dire que l'élection est impossible. Donc, est-ce que qu'on y a pas de fait? Oui, il faut qu'il y ait élection. Est-ce que les conditions sont réunies? Non. Donc, on lance appel là, c'est pour le Premier ministre qui est en charge et tout le gouvernement pour prendre toutes dispositions qui sont jugées légales et normales pour capable d'organiser des élections et pour faire ces sécurités à rétablir. Et tant que cette sécurité n'est pas rétablie, l'autorité de l'État n'est pas rétablie. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas qu'à protéger la souveraineté et autodétermination supposée pour nous diriger tête noire. Il est vraiment passé en bas pied là parce que c'est bandit qui a dirigé, bandit fait ça, vous voulez, et au vie au sud de tous. Et la police était inopérante et impuissante. Et avec inactivité ou bien manque de décision ou peut-être, par contre, manque de courage peut-être, nos dirigeants, et ils vont prendre des décisions qu'il faut. Mais vous voulez pas avoir, il faut prendre des décisions, sinon, bandit a pas envahi nous tous et n'a pas le monde de côté de nous aller. Et je souhaitais que le gouvernement, le Premier ministre en particulier, en tant que chef CSPN, pour prendre des décisions qu'il faut, passer les instructions nécessaires et indispensables pour changer la situation, pour changer l'insécurité, pour permettre que le pays soit vivable et pour le monde qui arrive là-dedans, parce que la situation est stressante pour nous.